grand moment du retour, les copains. Salut à tous, c'est Sturi. On est de retour sur ECW Wrestling en 1996 à bord de TEW 2016 pour la suite de cette série, épisode numéro 18, si je dis pas de bêtises. Après une belle trêve, comme je vous l'avais dit au mois de juillet avec mes vacances, là je vais pouvoir revenir en août. Je vais peut-être pas pouvoir vous sortir des épisodes aussi fréquemment qu'à l'époque où j'étais à bord, parce que voilà, j'y reviendrai, je pense, un petit peu plus en détail. Ma situation personnelle et professionnelle a clairement évolué ces dernières semaines. Je vais même dire ces derniers mois. Voilà, même il y a quelque chose qui arrive très récemment où j'étais en train de préparer. Donc voilà, hein, ça risque aussi même peut-être de changer un peu, de compromettre l'avenir de la chaîne. Et ouais, faut en parler. Mais sachez-le, c'est pas pour autant que j'arrêterai mes activités. Hein, je reste toujours impliqué, peut-être pas au même rythme, mais on reste impliqué, les copains, pour déjà commencer et revenir sur ECW en 96, TEW 2016, la série que vous adorez tant. Hein, vous n'êtes pas non plus les plus nombreux à la suivre, mais en tout cas, ceux qui la suivent sont contents, ils avancent avec nous, on fait de l'histoire, on avance dans cette ECW totalement folle, totalement débridée, totalement rocambolesque, j'ai envie de dire, et totalement fantaisiste. Parce que, voilà, on est en train de changer l'histoire. Déjà, le plan qui change le plus l'histoire, c'est Stone Cold Steve Austin n'est jamais allé chez WWF. Non, et il ne cherche même pas à la voir. C'est ça qui est dingue, il n'y a même pas de proposition de contrat ou autre. Non, Stone Cold Steve Austin est chez nous. Et on va continuer d'avancer ça. On a même fait quelque chose d'assez fort sur le dernier show, si vous en souvenez. On a recruté les Road Warriors. C'est juste un contrat d'un mois limité à deux apparences. Ils ont déjà fait leur première apparence, leur première apparition lors du dernier Hardcore TV en attaquant les Pitbulls. Là, il va y avoir un petit show de transition. Puis, au gros événement de ce mois de juin, on va avoir les Pitbulls contre les Road Warriors pour le championnat tag, qui risque d'être plutôt costaud. Voilà, ça va être bien. Et ça va booster encore un peu plus cette division tag team, parce que les Pitbulls ont un peu battu tout ce qu'il y avait sur place. Voilà, et là, on a été chercher l'équipe la plus prestigieuse du jeu pour les affronter. J'ai pris en note vos commentaires, les copains, pendant ces tout derniers épisodes, puisque je vous ai diffusé 3 ou 4 épisodes à la suite sans pouvoir revenir sur vos commentaires, parce qu'ils étaient préenregistrés. La section commentaires ne va pas revenir aujourd'hui encore. J'ai un petit peu synthétisé vos demandes. Pour l'instant, vous êtes plutôt en accord avec les choix que j'ai fait. J'ai encore quelques petites propositions de contrats de catcheurs à aller chercher, voilà, que vous me suggérez, qui sont bien sympathiques. On va faire pour le prochain épisode, en tout cas, on reviendra. Donc là, c'est le moment de reprendre la parole, les copains, avec la section commentaires. Je lirai vraiment tout ça le plus scrupuleusement possible et on débriefera un petit peu tout ce qui s'est passé lors des derniers shows. Voilà, ça c'est fait, hein, comme vous voyez sur le dernier show, voilà, les Road Warriors attaquent les Pitbulls. On a même tenté notre premier match féminin avec Mima Shimoda contre Takako Inoue. C'est pas trop mal, peut-être une suite, hein, voilà, un petit avenir au catch féminin chez ECW. Voilà, c'est fait. Raven contre Terry Funk. Bon, c'est officiel, j'ai démarré le storyline. Hein. Raven Rules, j'ai commencé le storyline entre les deux. Il y a peut-être possibilité de faire durer le plaisir, parce que voilà, deux excellents performeurs. Si ça peut encore leur faire bénéficier de la popularité. J'y vais à fond la caisse. Le dernier point, et ça sera le but de cet épisode, et le but, je pense, des épisodes à venir, les copains. On va aller chercher de la popularité en Mid-Atlantique, où nous sommes à 34. À équivalent avec New England. New England était le mieux parti, hein. Mid-Atlantic était à 20, si vous vous souvenez, au tout début de la partie. Mid-Atlantic, on va y aller à fond la caisse, on va aller faire nos shows là-bas, quitte à perdre un peu d'argent, parce que là, on est sécurisé. Là, on a... voilà, si je veux faire de l'argent, je vais dans la Tri-State. Maintenant, là, on a vraiment besoin de popularité, donc je pense que je vais aller à la Mid-Atlantic à fond la caisse, et on va aller même faire nos shows là-bas, hein. On va aller faire les pay-per-view là-bas, on va se lancer dans la Mid-Atlantic. Je fais peut-être une bêtise sur un point de vue économique, mais il faut gagner de la popularité. Allons-y, et on va même essayer de travailler à fond la caisse la popularité des catcheurs là-bas. J'avance dans la structure, les copains, hein, 685 000, je veux dire, j'ai 130 000 dollars, que je peux perdre là, il n'y a pas de problème. Donc on va y aller, Mid-Atlantique les copains, c'est parti. Allez, le gros événement de ce mois de juin, c'est Holiday in Hell. On va regarder une petite chose par rapport à Holiday in Hell, c'est à savoir qui est absent. Voilà, je ne peux pas compter ni sur Chris Jericho, ni sur Dean Malenko, ni sur Rob Van Dam. Par contre, j'ai bien Steve Austin. Steve Austin, je ne l'ai pas là pour le weekly, mais j'ai Austin pour le show.
Ok, j'ai Scott Steiner, j'ai Tukul Scorpio. Voilà, mes catcheurs NJPW vont être présents. J'ai juste à prendre, je pense, bien en compte, c'est la fatigue hein, sur mon roster, puisque avec tous ces catcheurs qui sont en tournée japonaise, forcément, ils se fatiguent. Et d'un point de vue médical, voilà, ouais, je vois que, par exemple, Chris Jericho, Rob Van Dam, Tukul Scorpio, il y a plus de 20% de fatigue, donc va falloir y aller tranquillou. Hein, John Zandig et Raven sont encore blessés 3 jours, mais ça va, y a rien d'inquiétant. J'ai très peur pour Raven. Raven qui nous fait des performances totalement incroyables. Si on avait blessé Raven pour une longue durée, ah, j'aurais été mal. Je tiens trop à mon petit Raven. Hein, il est tellement balèze, il fait tellement de bonnes perfs. Hein, les copains. Oh, cette nouvelle! Oh là là, et la New Japan, ils font mal. Ils ont recruté Toshiaki Kawada, qui est peut-être un des meilleurs workers du jeu, hein, donc qui était lié à JPW, et là qui rejoint NJPW. Waouh, c'est costaud. Ça, c'est des nouvelles au Japon qui doivent agir un peu comme des tremblements de terre. Et Diesel qui est mis dans une nouvelle storyline du côté WWF. Bon, très bien, ils ont quand même avoué que ça marchait pas. Hein. Kevin Nash chez WWF. Compliqué, hein. Je suis quand même un peu triste que ça soit pas plus la guerre entre WCW et WWF, parce qu'à partir de 95, normalement, c'est là où il y a tous les coups de pute qui se font, et là, finalement, c'est quand même assez, assez gentil, hein, c'est plutôt sympathique entre les deux structures. Enfin bon, avançons. Oh, aïe, aïe, et encore une sale nouvelle, Rey Mysterio s'est blessé. Aïe, 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 il a dû se blesser ce con au Mexique, hein. À tous les coups, qu'est-ce qu'on en a? On en a pour 6 jours, donc je l'ai pas pour un show. Je l'aurai pas à Hardcore TV, par contre, ça va être juste, il va juste revenir de blessure pour notre événement. Hein. Réré, c'est pas bien malin, hein. Allez, on est parti pour le Hardcore TV, le dernier avant Holiday in Hell. Hein, on va préparer un petit peu les choses. On est toujours avec un super backstage waiting, comme vous voyez. Aucun incident backstage. Tout va bien. Ni Scott Steiner, ni Steve Austin, ni Tukul Scorpio ne prennent part au show. Vous le savez, ils sont chez New Japan Pro Wrestling. Et désormais, on va aller, comme j'avais dit, dans le Mid-Atlantic. Hein, voilà, je vais aller tout de suite changer les tickets. La venue, Mid-Atlantic, les copains, on quitte la Twistate pendant, je pense, même un petit moment. Hein, on va aller vraiment chercher ce qu'il faut là-bas. L'économie est pas si mal, hein, tu vois, 79, l'industrie est en train de monter. Tout est en train de monter, donc allons-y. On va mettre les deux pieds dedans et on va en profiter. On peut attendre 2700 fans, donc... On va trouver la meilleure venue pour y aller, c'est le MD Note Arena. On va aller voir MD Note Arena, voir si on perd pas trop, si c'est plutôt cohérent. Alors, MD, on y est, MD Note Arena. On peut mettre combien de personnes? On peut mettre 3121 personnes. Ouais, ça peut être un bon endroit pour faire nos shows pour le moment. Ça va nous coûter 9000$ à Sinès Venue. Et on est parti. Allez, je m'occupe du booking. On débriefe ça tout de suite. Dernier show avant Holiday in Hell. Bon, j'ai mis le paquet. Hein. J'ai mis le paquet. On devrait avoir quand même un superbe show là pour ce retour dans le Mid-Atlantique. On a 2600 personnes hein, dans le public. Donc c'est bien, ça va continuer de monter. J'espère qu'on va atteindre les 3000. Peut-être même au courant du mois de juillet 96. Ce serait bien de grimper encore un peu plus là au niveau Mid-Atlantique. Et je commence fort avec Terry Funk contre Stevie Richards. Où c'est totalement dans l'air du temps, dans la storyline avec Raven, puisque Terry Funk va affronter le bras droit de Raven, hein, Stevie Richards, dans le Raven Nest, et va le battre, voilà, dans un match simple, hein, 71, bonne note, bonne performance, Bulla McKilcutty qui fait du bon travail ringside, impeccable, juste après sa victoire, Terry Funk, bien entendu, va se faire attaquer par Raven, voilà, grosse attaque de Raven, qui va tout de suite demander à Terry Funk de l'affronter dans un Raven Rules match pour Holiday in Hell. Le défi est lancé, Terry Funk devra se prononcer lors du prochain show. On est bien, tu vois, pour le gros événement, on aura Terry Funk contre Raven, peut-être si Terry Funk accepte le match, et Raven qui est toujours très très performant dès lors qu'il a un micro ouvert. Le match suivant, les Pitbulls contre une fortune. Vieille rivalité, voilà, pour remettre les Pitbulls dans le droit chemin après leur défaite. Ils vont défendre leur championnat en plus. À la demande de Perry Saturn et de Doug Gilbert, hein, accompagné toujours par Kimona Wanalea. Hein, voilà, très bien. Et Francine qui est toujours manager des Pitbulls. Petit défi remporté par les Pitbulls qui se mettent en confiance avant leur match. Qui vont longtemps poser et lancer un message donc aux Road Warriors
prêts pour leur match 61, petit segment d'après-match bien sympathique. Dernier angle, le champion arrive au ring, monsieur Tommy Dreamer, il va être défié par Chris Benoit. Chris Benoit lui dit, ok, Steve Austin, on sait pas s'il sera présent sur le prochain show, donc potentiellement t'as pas de challenger, mec. On est dans le Mid-Atlantique. Je suis plutôt en confiance ici, puisque c'est un endroit que je connais bien. Il est plutôt populaire, hein, Chris Benoit, dans le Mid-Atlantique. Il l'est plus que dans la Twisted, d'ailleurs. Chris Benoit qui va défier Tommy Dreamer pour un match 1 contre 1 pour le championnat ECW. Tommy Dreamer, qui recule face à rien, va accepter le match. Et on est parti. Gros combat entre Tommy Dreamer et Chris Benoit. Alors, je dis gros combat, moi j'étais plutôt emballé. Ben non, en fait, ça me fait qu'une petite note de 64, ça n'a pas marché. Voilà, le match souffre du booking parce qu'ils n'ont pas eu assez de temps pour faire une approche slow build. Pourtant, j'ai mis 15 minutes, tu vois, pour bien terminer le truc. Mais ça n'a pas marché particulièrement bien, pas aussi bien que je le souhaitais. Seulement 64. Tommy Dreamer va battre Chris Benoit par soumission. Eh ouais, bah, Benoit, c'est con, hein, mais comme je ne l'ai pas là sur mon programme, il va rester près du championnat TV. Tommy Dreamer va prendre une grosse victoire. Avant Holiday in Hell, c'était une idée vraiment d'avoir du bon momentum. Par contre, j'ai peut-être abusé en voulant donner une dimension spectacle à ce match, alors que finalement, il faisait que 15 minutes et pouvait pas voilà, aussi bien déballer que possible. Donc, erreur de ma part, les copains, qui va faire un 64 et qui va nous faire donc du coup une toute petite note de 69. Je suis déçu parce que je pensais vraiment avoir mis le paquet sur ce show et voilà, j'étais un peu trop gourmand. J'ai pas joué depuis un mois, donc... Enfin, moi, j'ai pas joué depuis un mois, vous avez eu des épisodes qui ont continué de débarquer, mais voilà, j'ai merdé, j'ai raté mon coup, en espérant que ça soit pas trop pénalisant pour ma popularité dans le Mid-Atlantique, même si 69, malgré tout, par rapport à notre profil, reste une très bonne note, une note plutôt correcte, hein, plutôt convenable. C'est pas le must, c'est pas exceptionnel. Ah, j'ai fait bien mieux, bien sûr, on a fait bien mieux. Qu'est-ce qu'on a? On a des petites nouvelles, on a des petites informations là juste après show. Raven opinion. Perry Saturn ne connecte pas avec les fans. Raven qui donne souvent son opinion. Mais non, Saturn, enfin. Plus il... Dans la réalité, ils sont potes, quoi. Il va dans le Raven's Flock chez WCW. C'est étonnant. Étonnant. Je fais un petit récap des catcheurs qui sont voilà, qui sont des stars régionales, hein, dans le Mid-Atlantique. Donc c'est-à-dire, je pense qu'ils ont au moins 40, tu vois, de popularité. Donc ça, c'est vraiment les mecs sur qui je pourrais compter. Donc on a Al Snow, Balz Mahoney, Bullpain, ça va, putain, Mid-Atlantique, tu vois, il est à 48. Il est plus populaire dans le Mid-Atlantique que dans la Twisted. Il est très populaire, par contre, dans le South East. Le South East, ça aurait été une autre région que je voulais développer, mais malheureusement, on a perdu des deals là-bas et ça retombe. Mid-Atlantique, vous voyez, la popularité est aussi importante pour Chris Benoit que dans la Twisted. Donc tout à l'heure, je disais qu'il était même plus populaire dans le Mid-Atlantique. Bon, je me suis trompé, mais voilà, c'est quand même pas mal du tout. Malenko est à 60 là-bas, 67 dans la Twisted, très populaire dans la Twisted. C'est pas trop mal pour Doug Gilbert également. Devon, bien moins, quand même 61 dans la Twisted contre 46 dans le Mid-Atlantique. Ouais, il va falloir travailler sur Devon Dudley. Kid Cash est quand même assez populaire, 51 dans le Mid-Atlantique, c'est pas trop mal. Mikey Whipwreck a un petit 52, voilà, petit 52 des familles. Paul Heyman, pas si populaire, 49, ok. Petite popularité à travailler pour Perry Saturn, ça va. Les Pitbulls, ils sont à 60 tous les deux, mais je pense qu'après, ce qu'on va leur faire faire là... Ça devrait monter, hein, avec les Road Warriors, ça a monté grave, les Road Warriors qui vont peut-être un peu faire la gueule, parce que bon, je compte pas donner le titre aux Road Warriors qui coûte excessivement cher, c'est vraiment du coup marketing, hein, pour le coup, c'est vraiment du coup de pub. Rey Mysterio, très populaire, ça va, populaire, 64, on est bien. Alors les Road Warriors, vous voyez, 81 et 80, ça va être les stars, les mecs, ça va être un peu le feu, ça va être un peu fantastique. Rob Van Damme, 44, Rob Van Damme est à travailler, je pense, du côté de la Mid-Atlantique. Scott Steiner, 74. Très grosse note, très grosse popularité. Et j'ai Scott Steiner, hein, normalement. Ouais, je l'ai. Il est pas là en weekly, mais je vais l'avoir, là. 72 pour Steve Austin, l'impitoyable. On est bien. Pas mal. Steve Richard, un petit 44. Petit 44 des familles à travailler. Mid-Atlantic, 60 pour Taz. Terry Funk est seulement à 67. J'aurais vu Terry Funk aussi haut que la Twisted, mais non, 67. Ce n'est pas déconnant en soi. Sandman, voilà, qui est pas trop mal pour le permis de carte 56, ça peut aller. 63 pour Tommy Dreamer, Too Cool Scorpio, que je vais avoir là exceptionnellement, 56. Et Woman, un petit 43 aussi, Woman, la femme la plus populaire dans cette région, bah dis donc, qu'est-ce qui se passe. Voilà, en tout cas pour mes grosses stars, enfin ça, en tout cas ça sera les stars principales sur lesquelles je vais devoir travailler, ou aller peut-être en chercher d'autres. Bah, si vous voulez, on va aller faire un petit point, on va aller regarder un petit peu. Dans les workers, dans ma liste de workers libres, qui peut potentiellement être intéressant pour travailler en Mid-Atlantique, hein, pour essayer de travailler cette région à fond la caisse.
Alors je vais pas prendre Regional Star, je vais me mettre en Recognizable, comme ça c'est un petit peu plus costaud, un petit peu plus fort en termes de points. On va regarder uniquement des catcheurs qu'on peut recruter. Je vais regarder des catcheurs hein, qui sont actifs. On va pas commencer à regarder des agents ou des anciens catcheurs qui sont retirés. Et vous voyez quand même qu'on n'a pas une liste non plus exceptionnellement grande. Il y a Barry Windham qui a un profil qui m'intéresserait beaucoup parce que comme vous voyez, superbe note en brawl. Il peut y avoir un peu de hardcore parce que 40, pas si déconnant, mais voilà. Superbe catcheur, Barry Windham, pas de problème, 35 ans encore, il est dans la fleur de l'âge. Et il y a une popularité, tu vois, 79 dans le Mid-Atlantic, c'est quand même assez énorme. Le problème, c'est qu'il est en... Ah, même pas, il est en hiatus, et il n'y a que les catcheurs, voilà, qui niveau culte, niveau culte, qui peuvent l'approcher. C'est la même chose pour Kurt Hennig, qui aurait été très intéressant également, mais qui est aussi en hiatus, mais il est même blessé. Et puis hiatus, hein, quoi qu'il en soit, donc pas de Kurt Hennig. Greg Valentine. Ah, Greg Valentine... Oh, ça casserait un de nos honor goals. Ok. Donc là, on va pas faire le con. On va pas prendre Greg Valentine. Hein. Pas de problème là-dessus. Le Honky Tonk Man, 59 dans le Mid-Atlantique. Je pense qu'il est... Il est cher quand même, $2300. C'est cher. Jeff Jarrett, qui reviendra un jour ou l'autre chez ECW. Ça, j'en suis persuadé. Jerry Lawler, que j'aimerais bien recruter, mais si je le recrute... Ça, voilà, de toute façon, il veut pas venir à la ECW, il est... Jim Brunzel. Non, pas Jim Brunzel, vieux quand même, hein. Ça va pas être si intéressant que ça. Non, pas de Jim Brunzel. Jim Duggan, ça pourrait être pas trop mal, il est pour l'instant seulement en open contract avec WCW. $2400 par apparence, bon, ok, il a 42 ans, certes, un peu de popularité, de l'overness à dispenser. Peut-être, tu vois, pour un one-shot, Jim Duggan, ça pourrait le faire. Jim Neidhart, qui n'est pas encore à la quarantaine, en 1996, Mid-Atlantique, il est chiffre ni WCW ni WWF à ce moment-là. Les copains, il demande $2300. Il n'a pas non plus des skills totalement incroyables, pas trop dégueulasse en brawl, mais le reste est assez... il y a quand même des choses pas trop... Ouais, c'est pas si déconnant. Grosse performance en heal, hein, 89, ça pourrait être un bon heal de transition, avec de l'overness à dispenser, 63 dans le Mid-Atlantique. Bon, c'est pas si déconnant. Jimmy Snuka, non, hein, trop vieux, il n'y a pas de... Jim Nord, oh, le barbare, le barbarian, qui est pas sous contrat, ouais, ni avec WCW, ni avec WWF à ce moment-là. 60, ok, popularité, il y a beaucoup de brawl du côté du barbare. Il y a $2000 quand même à débourser, c'est pas... Bon. John Cardog, ouais, c'est pas John Cardog, 43 ans... Malheureusement, je crois que ça dépasse un petit peu ce qu'on veut. Kamala, oui, Kamala, non. Hein, Kamala, pas si populaire d'ailleurs, 57, c'est pas non plus exceptionnel. Alors Kevin Sullivan, ça sera un superbe plan, il est booker chez WCW, il n'est pas intéressé pour nous rejoindre pour le moment. Mais Kevin Sullivan aurait été un bon choix. Manabu Nakanishi, c'était un plan à la base. Hein, Manabu Nakanishi qui avait une popularité à 63 partout, qu'on avait chez ECW, mais qui s'est blessé, que j'ai relâché. Donc pas de Manabu Nakanishi pour le moment. Nicolas Volkov, paix à son âme, qui nous a quittés au courant de la semaine. C'est compliqué, il est croate, hein, en réalité, Nicolas Volkov, qui a joué donc du coup les envahisseurs russes à la télévision mainstream, 48 ans, ça fait quand même bien vieux. Rick Steiner, qui peut... Ah, mais il tourne avec l'NJPW, ça aussi qui est compliqué. Roddy Piper, qui a une popularité immense, qui n'est pas employé, mais... Roddy Piper, qui pourrait... Putain, 91 dans la Tri-State. Il y a un coup à jouer avec Roddy Piper, c'est un truc de malade. Les copains, je sais pas, je vais peut-être pas le faire là pour maintenant, mais je vous donne une grosse piste, hein, Roddy Piper, pour quelques apparitions, quitte à claquer un peu de thunes, dans la Twisted, il a une popularité de ouf, hein, 91, le Nord-Ouest 90, bon, Mid-Atlantique 81, tu vois, c'est même une de ses moins bonnes notes, si tu mets de côté Puerto Rico, Hawaii, hein, qui compte que pour du beurre. Roddy Piper, c'est quand même plutôt immense, 42 ans. Il peut faire du hardcore, il y a une note de 62 en hardcore, donc il y a moyen de faire des choses cool. Basic psychologie, c'est décent. Il y a un charisme au micro à faire bander des prunes. Pour un programme avec Raven.
Et Roddy Piper, Raven, je pense que ça vous aurait bien fait kiffer, ça, dans les années 90. Je garde ça à l'esprit. On va shortlister Roddy Piper. On va shortlister Roddy Piper. Sabu. Alors, Sabu, le seul problème, c'est qu'il ferait la gueule avec, avec Taz. Mais je suis pas assez prêt. J'ai un bon backstage rating. Hein. Sabu, on peut peut-être y aller. Mid-Atlantic, 66. Twisted, 67. C'est très populaire dans les Grands Lacs, hein, 70. Ok, il tourne avec la WCW, donc ça c'est plutôt embêtant. Il tourne aussi avec la War, donc bon, il va pas être en grande forme physique s'il vient chez nous. Sergent Slaughter, non, ça va pas m'intéresser en termes de skills. Alors Tatanka, c'est la grosse star de SMW, qui est un de nos concurrents directs, qui a 74 dans la Mid-Atlantic, donc très populaire, 79 dans la Twisted, donc là j'en parle même pas, qui a pas de skills trop décollants. Il y a un 64 en Brawl qui est intéressant, et Basic Psychology sont vraiment pas dégueulasses. Puis il y a de la Star Quality, hein, 76, c'est quand même une ancienne, c'est une grosse vedette, hein, des années 90, la Mitatanka. 30 ans, 2 700 $. Bon, ok. Il y a peut-être du Tatanka à flairer aussi. Le Barbare. Alors, le Barbare. Ben, attends, John Nord, c'est... Je fais des conneries. Mais non, c'était le Berserker, John Nord. Putain, je confonds le Barbare et... John Nord, c'était le Berserker. Et le Barbare, il est là. Le Barbare est ici. Ok, bon, voilà, bon, ça c'est fait. Le Barbare, ça va pas m'intéresser. Iron Sheik, beaucoup trop vieux et plus en condition physique. Tito Santana, aussi plutôt âgé et plus en grande condition physique. Tully Blanchard. Tully Blanchard, là, il y a de l'expérience. À gogo. Et puis il y a surtout Vader qui m'intéresserait énormément. Vader. Mais malheureusement, on est trop petit pour lui. Ça sera à partir du niveau culte. Vader, je veux lui bondir dessus et on va le recruter. On va faire des merveilles avec Vader. Donc gardez à l'esprit. Je suis très intéressé. Bon, Tatanka, je mets une petite option dessus. Ok. Si ça vous intéresse, je vais le shortlister également. Je vais le shortlister. Et Roddy Piper. Les copains, ça, c'est vos missions pour le prochain show. Pour le prochain. Notre prochain épisode. Hein, vous me dites, Roddy Piper, qu'est-ce que vous avez? Si vous avez des plans, des idées avec, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le prends définitivement? Est-ce que je mets une option? Est-ce qu'on fait un petit run d'un mois ou autre? Mais Roddy Piper, ça peut nous faire décoller, hein, je pense. Donc là, je suis dispensé de Chris Jericho, Dean Malenko, donc pas de championnat de télé sur le show pour Holiday in Hell. Je n'ai pas Rob Van Dam, j'ai des incidents backstage, commençant par Jeff Hardy. Jeff Hardy qui ne s'est pas présenté à un meeting avec un Road Agent en tant qu'employé. Je dois gérer avec la situation. Petite amende pour Jeff Hardy, pas content de cette décision. Bubber et Dudley n'est pas content non plus. Bah dis donc, j'ai peut-être merdé avec Jeff Hardy. Mais hey, il se pointe en retard, enfin, petite amende. Petite amende. Oh, voilà, travaille pour WWF, petite amende. Don Marie, pareil, elle s'est pas présentée à un meeting avec un Road Agent. Petite amende. Oh, là, il se passe rien. Et Christian Cage. Oh, Christian Cage qui fait des imitations de ses collègues et ça met de la joie dans les cœurs. Merci, monsieur Christian Cage, hein, fantastique. Allez, hop, on va aller du côté du MSJ pour broadcaster le show. On va tout de suite aller choisir une arène adaptée dans le Mid-Atlantic. C'est la première fois que je vais faire un gros événement en dehors de la Tri-State. Mais de toute façon, voilà, c'est comme ça que ça va se passer. C'est comme ça qu'on va y aller. Je peux attendre 4000 fans. Donc, Pick Best Venue. DC Bender Arena. Et bah, très bien, on y est. 4500 places. On est bien. On va y aller. On va aller là-bas. 4500 places, je m'occupe du booking, les copains, j'essaye de vous faire un truc totalement épique, hein? Bah oui, attendez, il y a une réputation à tenir sur les gros événements, la ECW c'est toujours génial. Alors on y va, on attaque les copains, ECW, Holiday in Hell, les Pitbulls contre les Road Warriors, c'est parti. Holiday in Hell, j'ai même envie de dire holy shit, ça va être un show totalement fantastique. Les copains, quasiment 4000 personnes. Sont présents au DC Bender Arena, on n'a pas les 4000, on n'est pas loin, on les a frôlés, un peu dommage, mais on les fera, on fera les 4000 personnes lors d'un gros événement dans le Mid-Atlantique, je vous le dis, ça sera fait, on démarre tout de suite avec Axel Rotel, Balls Mahoney contre les Dudley Boys dans un match de table, là au moins je me dis, ça va passer, ça passe crème, ça fait un 66 pour ouvrir le show, ce qui est pas trop mal, voilà, tu vois, c'est gros début en plus de match, got the show off, strong start, c'est ce qui me fait plaisir, tu vois, Axel Rotten un petit peu en dessous des autres, même Axel Rotten en dessous de Bubber et Dudley, je suis assez étonné, tu vois, de la performance d'Axel Rotten un peu en dessous, et j'ai donné quand même la victoire à Balls Mahoney, Axel Rotten, ouais, qui se sont quand même pris quelques petites branlées, hein, dans leur début en équipe, ça n'a pas forcément bien pris, là ils ont une victoire assez importante, hein, qui les amènera, j'espère, sur des sommets un peu plus hauts. Taz veut relancer sa streak, hein. Taz qui était la machine, il était totalement
incroyable lorsqu'il était invaincu, lorsqu'il avait cette série de victoires totalement incroyables sur le championnat TV. Hein, voilà, Taz qui est un petit peu redescendu, hein, qui a pris des défaites contre Tommy Dreamer. Là, Taz veut se relancer et va lancer un open challenge. Et c'est The Rock, Rocky Maivia, qui va y répondre, le jeune catcheur Rocky, qui répond, qui est courageux, qui va aller affronter Taz. Il y a une superbe promo des deux, hein, qui fait 77, où tous les deux, je les ai descriptés, ça marche crème. Et il me faut un match décent, voilà, qui me fait une note de 65, c'est pas trop mal pour Rocky. Taz et Rocky ont une super chemistry d'ailleurs. Ah, c'est bon, c'est à noter, ça, il faut le garder. Bonne chemistry, et je pense que Taz, oui, peut amener Rocky à se développer un petit peu. Hein, Worker Improvement, tu vois, bah, il améliore ses performances, l'ami Rocky, donc on va peut-être faire une petite série entre Taz et Rocky, ça peut être pas trop mal. Match hardcore, un petit peu avec les exclus de la carte, hein, ceux qui n'avaient pas de programme. Petit match hardcore, match Fatal 4-Way, descend match descend, voilà. Le Sandman va battre Al Snow, John Zandig, Dool Gilbert. Comme d'habitude, Zanding va prendre un gros bump, hein, de malade. Hein, voilà, il a pris un crazy bump et c'est le Sandman qui se blesse. Hein, Sandman qui va gagner le match, mais qui va prendre un Whiplash Next Train. Oula, j'espère que c'est pas trop dangereux. Qui est la meilleure performance, hein, d'ailleurs, du match avec une note de 67. Donc Gilbert et Al Snow sont pas trop mal, 64. John Zanding beaucoup moins, 36, parce qu'il est pas très populaire dans cette région. Mais bon, il est là pour me prendre les gros bumps de bâtard, hein, John Zanding. Donc c'est ce qui va faire sa réputation. Après ce match, le Sandman va demander plus d'extrême à la ECW, hein, parce que c'est le roi de l'extrême quand même, c'est le Sandman, voilà. Il va réclamer plus d'extrême, Paul Heyman va venir, etc. Et il va y avoir une petite altercation entre les deux, tu veux de l'extrême, etc. Et moi, j'essaie d'avoir des contrats avec des télés, donc Extreme Championship Wrestling, mais calme-toi, quoi. Attention, ça va pas plaire. On va voir comment ça évoluera par la suite. Hein. Tu vois, j'ai une petite idée derrière la tête autour de l'extrême, les copains, et Paul Heyman qui fait toujours du superbe taf au micro 76. Très bonne performance. Steve Austin est là. Steve Austin qui se pointe à l'arène. On ne savait pas si Austin allait être présent ou non vis-à-vis de ses obligations au Japon. Austin s'est pointé. Voilà, juste ça. Austin qui arrive à l'arène 79. Ça dure une minute, ça va vite. Boum, clac. On sait où on va. Too Cool Scorpio contre Scott Steiner, les évadés de la New Japan Pro Wrestling. Que j'ai mis l'un face à l'autre. Hein, voilà, j'avais pas de programme particulier. Je me suis dit, l'un contre l'autre, ça va faire un bon match. Ben, ça va faire un bon match. 76, victoire de Scott Steiner. Voilà, hein, chouette match. 76, hein, de mid-card, hein, de passage. Terry Funk et Bully Malik, va voir Bully McGillicuddy et lui dit, ok, va dire à Raven que j'accepte le Raven Rules. Il sait pas dans quoi il s'embarque. L'ami Terry Funk, eh ben, il va affronter donc du coup Raven dans un match hardcore. Les Raven Rules, hein, tu vois, forcément, c'est un peu compliqué de booker ce match. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que Terry Funk veut plus faire des matchs trop hardcore. Il veut plus. Il pense à chaque fois qu'il va se blesser, il va pas être bien. Donc il veut plus faire des gros trucs très violents comme sa réputation le veut. Ils vont avoir un match hardcore et l'arbitre va arrêter le match parce que Terry Funk n'est plus en état de continuer selon lui. Et Raven l'aura bien niqué avec les règles de Raven. Et c'est un petit peu le déclin, tu vois, de Terry Funk. Est-ce que Terry Funk va savoir revenir ou pas? Tu vois, on travaille. La storyline va continuer après ça. Hein. Attention, ça va continuer pour essayer, voilà, de faire monter la sauce. Mais Raven prend une grosse victoire psychologique sur Terry Funk. Voilà, en plein milieu du show. Victoire de Raven. Rating 76. Je m'attendais à mieux, tu vois, parce qu'on a quand même du 82, 81. Bon. Dommage, je m'attendais un petit peu à mieux. Dirt Sheet, on va aller regarder peut-être les segments. Low hit, hein, il y a une faible hit sur le Raven Rules. Bon, ok, hein, voilà. Et apparemment, les gens étaient déjà très très chauds. Un peu trop. J'aurais dû essayer de calmer un petit peu la foule. Là, ça m'embête parce que j'ai utilisé mon calm down, tu vois, mon match un petit peu pour détendre les gens juste avant le main event. Donc j'ai encore du gros qui arrive derrière. J'ai encore du gros parce que Tommy Dreamer va faire une promo backstage et il va dire, voilà, cette phrase: If Austin wanna fight, he's got one. Hein, voilà, il répond: Austin, si t'es venu, c'est pas pour sans raison. Donc je vais aller au ring, je vais mettre la ceinture en jeu et on va y aller, on va se la donner. Hein, bah, Tommy Dreamer contre Steve Austin, c'est parti, match entre les deux où Austin va battre Tommy Dreamer par disqualification. Il va péter un câble, l'ami Dreamer. Il va se faire disqualifier parce qu'il va utiliser un objet, c'est un match simple. Voilà, et pour autant, ça devient trop personnel entre les deux, il y a trop de trash talk de la part de Steve Austin. Tommy Dreamer a pété un câble et s'est fait disqualifier. Donc Tommy Dreamer va rester champion, mais il va y avoir une suite à tout ça, les copains. 78, bonne performance des deux, chouette match, hein, voilà, bonne qualité. Petit match, voilà, pour détendre un petit peu tous les gens, là. Rey Mysterio
qui est un peu blessé, voilà, sur la fin de sa blessure, va être en équipe avec Bull Payne et Jeff Hardy contre le Raven Nest, Steve Richards, Sexton Hardcastle et Christian Cage. Petit match, hein, tranquillou, avec une victoire de Rey Mysterio sur Christian Cage. Voilà, hein, j'utilise un peu le momentum et puis la popularité de Rey Mysterio. Bon, ça me fait que 56, mais ça va un peu calmer les gens, voilà. Voilà. Avant d'arriver au gros main event, les copains, les Road Warriors vont arriver au ring et vont défier les Pitbulls dans un match du collier de chien. Eh oui, oh là là, Dog Collar match entre les deux équipes, ça va être du gros bordel, ça va être de la grosse bagarre. Et ça me fait un match exceptionnel avec un rating de 75 où les Pitbulls vont battre les Road Warriors. Après que Pitbull Wolf ait battu Road Warrior Animal par Pitfall après la Edit Super Bomb. Donc victoire des Pitbulls qui font leur défense numéro 9 de leur championnat ECW World Tag Team. Je m'attendais quand même à faire quelque chose de mieux. Bon, apparemment un peu de manque de psychologie dans le match. Voilà, ça drift un peu. Hein, c'est un petit peu bougé. Voilà. Les notes des Road Warriors sont hallucinantes. Les mecs 96-96. Jamais vu des mecs avoir des notes pareilles. Note de foufou, les copains. J'espère que les Pitbulls auront gagné un petit peu sur ça. Ah, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de... Ah, dommage. Les Road Warriors, ouais, sont... Attends, ils ont des notes de 96, les mecs. Mais bon, il y a beaucoup de notes négatives autour des Road Warriors. Enfin, les Pitbulls aussi, pour gérer la pression, ça a été chaud. Ils étaient quand même en main event, les mecs. 75, bon, c'est pas trop mal. Ça me fait quand même un rating général de 75 hein, pour tout le show. Bah, on va pas se plaindre, hein, les Pitbulls contre les Road Warriors, ça fait du prestige, ça va faire du prestige autour des championnats tag, qui risquent de monter à 100 de popularité avec ce type de rencontre. Alors, on va faire un petit câlin, un petit bisou à qui au Sandman, voilà, le Sandman, c'est bien, c'est une bonne performance, il y a que des bonnes choses, hein, complimenté, bonne performance, Terry Funk, on va le rassurer un peu, voilà, bonne performance de Terry Funk, on va dire également dans l'opener, qui avait dans l'opener. Dans l'opener, j'allais démarrer avec un tag. Non, pas dans l'opener. Taz, voilà, bonne performance aussi. Voilà, tu t'occupes bien de Rocky. Voilà, tout le monde est content, tout le monde est ravi. Très bien. Mes figures de la ECW sont bien. Allez, on va faire le bilan après ce show. Plutôt correct, 75, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, Rey Mysterio, voilà, est rétabli. Les Road Warriors s'en vont. Le Sandman s'est blessé. On va aller voir ce qui se passe. Too Cool Scorpio a besoin de souffler, Scott Steiner a besoin de souffler, et on a fait un 0.15 de rating sur la chaîne MSJ pour ce show, c'est pas trop mal si je regarde la size, on est passé... Et c'est le New England qui est monté, c'est dingue ça, qui est monté à 35 et le Mid-Atlantique est resté à 34. Si je regarde la popularité par contre, bah, le Mid-Atlantique est plus populaire que le New England. Très étonnant tout ça les copains, hein, c'est plutôt étonnant. Voilà, les prestiges des titres c'est quelque chose, hein. 98 pour Tommy Dreamer. Baisse un petit peu parce que, voilà, disqualification, hein, mais bon, je prépare le terrain. Hein. Tommy Dreamer, Steve Austin, ça va pas s'arrêter là. Championnat par équipe, Pitbull Durant et Pitbull Wolf sont à 95 en prestige. Ce qui est pas mal, hein, voilà, faut pas déconner, 9 défenses de titre. Le championnat TV est à 94, par contre, j'ai ma storyline qui baisse un peu entre Benoit et Malenko, il va falloir remonter tout ça. Jeff Hardy a des moral issues, oh, pourquoi? Ah oui, à cause de l'incident, voilà, que... Apparemment, j'ai mal géré vis-à-vis de lui. Bon, oui, ça va aller, hein. On va lui filer du pognon, ça ira mieux. Voilà, comme à chaque fois, quand je sais pas quoi faire, je leur donne de l'argent. Bon, je vais essayer quand même de le rendre content sur des trucs, lui donner peut-être une victoire sur un show TV, ça le fera. Oh, le profil de Mick Foley, qui me manque, Mick Foley. On faisait des trucs géniaux avec lui, ah là là. Ah, peut-être qu'on récupérera des stars une fois qu'on aura passé ce niveau culte, bien sûr. Le Great American Bash de WCW avec Jake Roberts qui bat Randy Savage pour retenir le championnat WCW. Eh ben, Dominance bat The Future et conserve les championnats tag. Le géant bat Alex Wright pour conserver le championnat des États-Unis. Et pareil, Booker T bat Renegade pour conserver le championnat de la télé. Voilà. Pas de choses totalement incroyables. Hulk Hogan a battu DDP. Pff. Ok. Bon, il faut quand même une note de 77. Ils nous ont battu sur ce coup-là. Bon, après, voilà, on fait pas une aussi bonne note qu'à l'habitude parce qu'on prend des risques. On a été en Mid-Atlantique pour faire un show. Bah oui! Voilà, le même show, je le transpose, je le mets dans la Twistate, on aura une meilleure note. À tous les coups, bien sûr, hein, la popularité des lutteurs est à prendre en compte dans ces cas-là. Oh! Cette information! Woman est enceinte! Ah bon? Bon. Elle va commencer sa maternité dans 3 mois, donc j'ai encore 3 mois. Ah! Et Dean Malenko s'est blessé! Aïe, 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 aïe. Ça, c'est pas des bonnes nouvelles du tout, les copains médicales. C'est vrai que j'ai pas regardé également. Oula, il y en a. Alors, le Sandman, 4 jours. Par contre, Dean Malenko, c'est chaud, 24 jours.
championnat télé est pas là pendant 24 jours, quoi. Waouh, la vache. Ça, ça embête le monde, hein. Là, mon championnat télé va prendre cher, il va prendre l'eau. Oh, mais c'est pas possible, ça continue. Chris Benoit s'est blessé également. Brain Fog. Qu'est-ce que c'est, Brain Fog? Qu'est-ce qui leur arrive à tous ces gars, là? Mais ils sont tous en train de tomber comme des mouches. Chris Benoit, 6 jours. Ah, c'est compliqué, hein. Bon, je peux encore l'avoir pour des angles. Je peux quand même avoir Malenko pour des angles. Donc, à la limite, on fera un angle où je lui retire le titre, hein. J'ai pas le choix. Bien, Hardcore, TV, Locker Room, Incident, qu'est-ce qui se passe? Terry Funk qui va donner des conseils, je pense, à John Zandig, voilà, sur la psychologie. Zandig qui a continué. Et pareil pour Divon, voilà, microphone pour Divon. Divon, il va devenir bon micro, hein. Tous ces trucs, là, avec tous les conseils, ok. Donc, j'ai pas Scott Steiner, j'ai pas Steve Austin, j'ai pas Too Cool Scorpio parce qu'ils sont là en New Japan, ok, pas de problème. Par contre, Dean Malenko, voilà, blessé, mais disponible pour des angles, on va s'assurer de tout ça et on va se positionner, comme d'habitude, dans le Mid-Atlantique. Allez, c'est parti, Hardcore TV, on va devoir faire face à pas mal de petits problèmes au sein de la ECW, mais vous inquiétez pas, on va réussir à améliorer tout ça, les copains, on va faire du mieux possible. Avec un premier segment important, bien entendu, Paul Heyman, qui annonce que... Enfin, c'est Dean Malenko qui va s'adresser aux gens pour dire qu'il relâche le championnat de télé ce soir. Le championnat, donc, du coup, est désormais vacant puisqu'il est blessé. Il est déçu de pas avoir pu le défendre sur les gros événements, etc. Mais bon, voilà... Il est au Japon, il est là, il y a des risques, tout ça. Il en fait beaucoup, l'ami Dean Malenko. Donc là, il est blessé. Il relâche le segment. Il relâche la ceinture. Il la rend, donc, du coup, à Paul Heyman. Et Chris Benoit vient l'attaquer. Chris Benoit, gros bâtard, vient attaquer Dean Malenko. Pas un bon segment, malheureusement, parce que Benoit et Malenko sont pas à l'aise. Parce que Paul Heyman, lui, il a pas de script. Hein, tranquille, les mecs sont un peu plus scriptés. Donc ça marche pas super bien, j'aurais dû descripter tout le monde, hein, sur ce truc. Enfin bon, bref. Petit segment qui ouvre le show. Bon, ça met quand même, voilà, gros start. Hein, bon début pour débuter ce show. Taz va battre Al Snow dans un super match. Taz qui continue sa streak. Voilà, il a annoncé, j'ai une streak, on est reparti. Taz qui remporte le match, hein, note de 66, tout va bien. Rob Van Dam, Kid Cash et Don Murray qui sont backstage, qui sont dégoûtés parce qu'ils n'étaient pas à Holiday in Hell. Ça fait pas un bon segment, mais bon. Hein, voilà, ils sont là, ils se disent, voilà, on est frustrés, hein, d'être mis de côté de la sorte. Donc Rob Van Dam va avoir un match contre Chris Jericho, va battre Jericho dans un match correct, hein, 65, petit match sympathique, 14 minutes 51, voilà, victoire de Rob Van Dam qui fait en général de bonnes performances, puis ça va les aider à gagner de la popularité dans le Mid-Atlantique aussi, je pense. Paul Heyman va annoncer qu'il va y avoir un tournoi pour déterminer nouveau champion de télé, il va y avoir un tournoi avec 8 participants. Et il annonce donc, du coup, les premiers participants. Il y aura donc Rob Van Dam, qui vient de gagner son match contre Jericho. Taz, qui, voilà, démarre sa streak. Chris Benoit, hein, voilà, Chris Benoit, qui était un peu en lice, hein, pour devenir champion de télé. Le Sandman, hein, qui s'était plaint lors de Holiday in Hell, donc bon, on va le récompenser un peu comme ça. Jeff Hardy, pour la déconne, hein, voilà, comme ça, ça lui fait plaisir, en espérant. Et Terry Funk. Oh, et quand il y a l'annonce de Terry Funk, il y a des gens pas contents, dont une personne qui va pas être contente forcément, hein, et les deux derniers participants, hein, vont s'affronter tout de suite après. Qui est-ce, hein, voilà, et bien il s'agit de Raven contre Rey Mysterio qui vont faire le main event dans un match fantastique hit et superbe catch. Rey Mysterio va battre et éliminer Raven du tournoi. Après un springboard du Ricanada, suite à l'intervention de Terry Funk, voilà, qui se rattrape, qui se venge de ce qui s'était passé la veille. Bon, par contre, le segment va perdre de la storyline entre Raven et va perdre de la hit, ouais, parce que, petite perf, hein, finalement, ils perdent de la hit, les copains. Petite perf à 62, et Rey Mysterio, in-ring performance de 53. Il revient de blessure, normalement, il est remis. Mais je pense qu'il manque surtout cette popularité je peux pas cliquer, on va aller voir après. Je pense qu'il manque surtout de popularité, l'ami Rey Mysterio Junior, dans le Mid-Atlantique, donc bon. Booking décision aussi, un petit peu overbooké l'affaire. Pas excellent, pas exceptionnel, hein. 62, c'est vraiment une toute petite note pour ce Hardcore TV. On est habitué à bien mieux. On verra comment ça se passe par la suite, mais voilà, je prends quelques petits risques. Je pensais que Raven, Rey Mysterio, ça allait mieux se passer. Après, j'ai fait une wet brawl entre les deux. Wild Brawl, Rey Mysterio, dans un match simple, tu vois, où il n'y a pas de... Wild Brawl, c'est bien quand il y a une stipulation. Là, on était plus sur des matchs normaux, des matchs simples. Mauvaise décision de ma part, encore une fois, je fais beaucoup de mauvaises décisions. Chris Jericho, voilà, fatigué. Hein, bon, Chris Jericho qui est un peu là pour combler, hein,
Malheureusement, avec tout leur tournée là au Japon, là, ils nous embêtent. Ils sont pas toujours des plus chauds. Alors c'est dommage parce que je me dis des fois, je pense que vous me le suggérez aussi dans les commentaires, de me séparer un peu des catcheurs qui sont dans les tournées japonaises pour vraiment privilégier la qualité. Mais c'est déjà des catcheurs de grosse qualité ceux qui tournent au Japon. Bah, attends, Steve Austin, Jericho, Malenko, Benoit, Scott Steiner. T'imagines déjà juste la qualité sur ces 5 noms. C'est immense, c'est immense. Bah oui, j'ai du mal à m'en passer. Ils sont quand même un peu exceptionnels, tous ces gens-là. Enfin bon. Allez, on va clôturer notre épisode avec le bilan économique du mois, les copains. Bilan économique que j'ai hâte de découvrir. J'ai hâte de voir où tous nos efforts nous ont menés. Hein, pour cet épisode, peut-être un peu plus court hein, qu'à l'habitude, j'ai pas véritablement estimé le temps. Le Sandman a récupéré totalement. Chris Jericho s'est blessé, super. Et Hardcore TV rating quand même de 0,09. Hein, c'est pas, voilà. Même si on a fait un show moins bon, on a quand même su conserver l'audimat, les copains. Et voilà, ouais, là j'ai encore des problèmes médicaux. Cette fois-ci, c'est Jericho, 2 jours. Petite absence pour Jericho. Toute petite, hein, voilà ma foi, c'est pas non plus énorme. Il y a la PWA qui a fait banqueroute, apparemment. Bon, c'était pas une grosse structure, hein, ça n'a pas changé la vie de la partie, donc clairement pas. Allez, on va attaquer le mois de juillet, on va découvrir un petit peu tout ça. Est-ce que les risques qu'on a pris en Mid-Atlantique ont payé ou pas? Est-ce qu'on va récupérer un peu d'argent? Je sais pas, niveau pognon, je suis pas hyper sûr. Hein, je pense qu'on va perdre des sous. Je garde vraiment à l'idée hein, le plan Roddy Piper là, qui pourrait nous faire décoller. Roddy Piper, Tatanka, on garde ça dans un coin de la tête. Ça pourrait aider énormément. On arrive donc du coup à ce bilan économique, on a perdu 16 000 dollars. C'est pas une grosse perte, ça va, on peut s'en sortir si on continue. Si on perd un rythme de 16 000, voilà, on peut réussir à être en maîtrise. On sait que de toute façon, si on veut reprendre de l'argent, on part dans la Twisted et ça ira. Ok, oula, j'ai des deals TV à renégocier. Ça, on fera ça pour le prochain épisode, hein, on se mettra bien. Chris Jericho va mieux. Alors, Battle, oui, bah là on est premier encore une fois partout, tout va bien. Vader a reçu une offre de la CWA, ok. Chris Benoit a fini sa tournée avec la War, et la BJW lui a tout de suite fait une proposition. Ok, Rey Mysterio qui s'est fait offrir un contrat par IWAJ, ok. Il y a également une offre pour Chris Benoit à la UWFI, putain si par la UWFI on va plus beaucoup le voir. Vader qui se fait proposer des contrats dans tous les sens, donc moi qui surveille Vader. Ok, donc ça c'est mes deals TV voilà, qui vont se terminer. Ça marche, bilan économique, finance, on va aller regarder un petit peu où ça pêche. Moi, 2 juin, ticket sales, forcément, tu vois, il y a 100 000 dollars de moins. Je te dis pas, hein, si on était dans la Tri-State, on aurait fait du pognon à gogo. Worker, j'ai pas été trop dépensier finalement, même avec les Road Warriors, on est qu'à 131 000. Le MISC est revenu à 2000 parce qu'on a arrêté de lâcher de l'argent pour rien, ok. Bon là mes coûts de production ont un peu baissé. Ah oui c'est normal, je suis dans des salles un peu plus petites. Donc les coûts de production sont un peu réduits. Le merchandising a pas trop mal. Ouais ça a pris le merchandising. Ouais on a vendu pour 9009. Ouais bah il y a du merch qui repart donc ça c'est pas trop mal. Le marketing ok. Showcost ça coûte un peu moins cher forcément vu qu'on loue des plus petites salles. Les TV revenues sont les mêmes. Donc là on a perdu 16 000 mais ça va, pour moi je suis en maîtrise, hein, on n'est pas trop mal. C'est la size là qui m'intéresse le plus et c'est le New England qui passait à 35. Tu vois, aussi étonnant que ça soit, je pensais vraiment que c'est la Mid-Atlantique qui allait prendre en faisant des shows là-bas. Bah, on gagne en popularité mais pas en importance, et c'est l'importance moi qui m'intéresse le plus. Est-ce que je fais pas le con? Est-ce qu'il faudrait pas aller plutôt dans le New England? Ah là là, je réfléchis à tout ça mais... C'est assez étonnant, c'est peut-être un peu déstabilisant. On va peut-être refaire un show dans le New England pour voir si on reprend un petit point là-bas. Je suis pas des plus convaincus. Bon, les storylines, Benoît Malenko, ça risque de tomber à la flotte, hein, cette affaire. Quoique, Malenko est disponible toujours pour des angles, donc je peux encore faire des angles entre les deux. Raven Rules, oh, ça marche. La feud de Raven Terry Funk, je l'ai démarré beaucoup trop tard. Hein. On l'aurait amené plus tôt, ça aurait été bien mieux. Et Austin Tommy Dreamer, bon, je suis un peu bloqué avec ce truc-là parce que j'ai pas Austin pour les weekly. Ça m'embête aussi un chouille, hein, les copains. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a des choix, des fois, qui sont pas toujours les mieux. Je fais pas toujours les meilleurs choix. Il y a Tommy Dreamer 98, ok. Bon, là, forcément, on va perdre un peu en prestige avec le championnat Hardcore TV qui va être un peu relégué au second plan. Je pense que je vais terminer la finale. Je vais la faire pour le prochain gros événement qui sera. Alors, attendez, je regarde le schedule.
Je regarde l'agenda. Il est où? Il est là. Hop, agenda. Premier, prochain gros show, c'est Heatwave. Troisième semaine, samedi, troisième semaine de juillet. Ok, où je regarde mon petit calendrier pour Heatwave. Et je devrais me dispenser, donc, ouais, forcément, de Chris Jericho, de Malenko, de Jeff Hardy et de Rob Van Dam. Ok, c'est tourné à JPW qui m'embête le plus. Et sur les weekly, je me prive à chaque fois d'Austin, de Too Cool Scorpio, de Scott Steiner. Bon, voilà, c'est parti pour durer cette affaire. Donc, on va essayer de gérer de la meilleure des manières. Ok, Jeff Hardy, Moral Issues. Ok, ça, ça va. Bon, normalement, on devrait quand même réussir à s'en sortir, hein, malgré tout ça. Hein. Bon, il va falloir que, voilà, en off, je regarde un petit peu qui reprend un petit peu en popularité, qui est un peu à pusher, parce que là, le championnat TV, je pars sur un tournoi, j'ai aucune idée d'où je vais, hein, je sais pas vers qui je vais sur ce tournoi. Vous me conseillez, hein, bien sûr, on a donc Rey Mysterio qui a éliminé Raven, on a donc du coup, au niveau des lutteurs, on a Terry Funk, pour les Babyface, Jeff Hardy, bon, Jeff Hardy qui ira pas au bout, forcément, puisqu'il est pas là pour le dernier show, voilà, c'est... Terry Funk, Jeff Hardy, on a également Rob Van Dam, on a Chris Benoit, on a le Sandman, on a Taz. Vous trouvez donc du coup quel est le meilleur des mix qui devrait sortir over. Je mets quand même une petite réserve. Chris Benoit, je sais pas si c'est le bon plan. Chris Benoit, je sais pas si c'est le bon plan. Normalement, c'est lui hein, qui devrait être le plus à même à y aller. Non, pas négocier. Je voulais regarder un petit peu profil. C'est surtout à la disponibilité. Bon, voilà, j'ai le problème avec Benoît. Voilà, non, là, c'est bon. Non, en fait, Benoît, c'est pas, il n'y a pas de problème. Comme il a fini ses tournées, je peux l'utiliser comme je veux. En fait, Benoît, non, c'est peut-être un bon plan, Benoît. Hein. En espérant que UWFI, tout ça, l'embête pas trop. Enfin, nous le chope pas trop, tu vois. On peut peut-être le faire avec Benoît. Hein. Vous me dites, les copains. Vous me dites, hein, la parole est à vous dans les commentaires. On se donnera rendez-vous pour l'épisode numéro 19. Je vous fais des bisous à tous. Je vous dis à la prochaine. C'était Sturi. Ciao, bye bye.